Vas-y, je veux pas ton bâtard. Allez, fille, je fais péter un rougerou, là. Vas-y, bouffonne, toi. Tu veux que je te fasse un hip-hop? Hein? Je suis un spécialiste, la vie de ma mère. Tiens, mal ça. Hop. Alors, ça a bien repris les affaires, là. C'était beau, les vacances. Ouais, moi, ça va, ouais. J'ai trouvé un taf. Ouais, dans le collège, là, juste en bas, là. Sur les pentes de la Croix-Rousse. Je suis devenu prof d'histoire géo. Vas-y, les petits bouffons, là, comme je les mate. Petit bâtard. Non, je suis gentil. Non. Ta rouille. Bande de bouffons, là. Vas-y, je suis votre nouveau prof d'histoire géo. Aujourd'hui, on va parler du mont Fujiyama. Le Fuji. Le mont Fuji. Mais que j'en sais comment ça s'écrit, moi. Je suis pas prof de la grammaire, je suis prof d'histoire géo. Le Fuji comme le Fuji, j'en sais rien, moi. Bouffon. Alors, bon, à savoir, hein, que le Fuji, c'est un volcan. Donc il fait partie de la famille des volcaninés. Quoi qui sert le mont Fuji? Bah, à faire joli, bouffon, va. Ça sert à quoi, ta mère? Qu'est-ce que ça fait si tu tombes dans le cratère? Vas-y. Je sais pas si tu tombes en entier ou juste la moitié. Parce que si tu tombes juste la moitié, ça te fait les jambes au squelette. Attends, ça craint les jambes en squelette. T'as le slip qui tombe, il tient plus. Tu peux plus mettre des chaussettes, elles tombent. Vas-y, quand tu marches avec les jambes en squelette, ça fait les castagnettes.